Bonjour à tous, la petite application du jour donc, comme de coutume. Aujourd'hui nous allons travailler sur un système, donc sur une attaque droit au visage et gauche au visage. On va partir dans une garde ici un peu spécifique qui protège le haut du corps, qui est le bas du corps. Et sur une droite au visage, on va rentrer ici ce type de technique qu'on va apparenter un petit peu à un mouvement secouant du singe ou de l'ours. Et quand la gauche va arriver ici en circulaire, on va simplement venir ici. Et on va tourner droite-gauche sur cet angle. Ici, droite, une gauche. Bam. Voilà. Ok. Là, attention, c'est de nouveau dangereux. Donc, je vais rentrer tout de suite sur mon adversaire, casser la distance et venir ici. Hein, avec ce système de clé. Ok. Donc, ça fait 1, 2, 3. Et je rentre. Ici, on a un mouvement de presser. Presser. Comme le presser du tai chi. Hein. Donc, là, vous avez un pain. On peut voir ici un mouvement de frappe dessous qui va nous rappeler un petit peu la fille de Jade. La fille de Jade. On profite de l'occasion ici pour rentrer une clé secouante. Et là, on va avoir un mouvement qu'on va plus s'apparenter au singe. On va tirer ici, sortir par dessous et frapper pour partir en frappe tigre. Donc ici, doucement, 1, 2, 3, 4, on tire. 5. Et on frappe ici. On peut conclure ici avec un mouvement d'élever les mains qui va venir perturber l'intérieur du genou et le visage pour déséquilibrer son partenaire. Doucement, ralenti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. On se replace. Donc ici, voilà. Au début de l'action, ce qui est important, bien sûr, c'est ça. Hein, le fait de rentrer simultanément. Et à peine rentré ici, j'ai déjà disparu par rapport à son champ d'attaque ici. Okay? J'en profite pour placer mon pressé. Je descends le centre de gravité et je viens percuter au niveau des côtes. Je ramène à l'extérieur. Et là, je redescends le centre de gravité pour venir frapper au parti. Je remonte au contraire en cercle et je frappe. Donc sur le plan animalier, ici vous pouvez voir un mouvement d'ours. Vous voyez, on le fait plusieurs fois. Vous voyez, la secousse de l'ours. Ici, dès qu'on commence à approcher, vous voyez du singe. Le singe secoue. Le singe accroche. Voyez, ici, du tigre. Le tigre déchire. Le tigre déchire. Et ici, vous voyez du cerf qui frappe avec ses bois et avec le sabot. Et là, vous avez les mains célèbres du Tai Chi Chuan. On va le voir sous cet angle. De ce côté, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, à l'intérieur. Voilà. Voilà, travaillez tranquillement, progressif, comme toujours. Essayez de construire des idées d'applications réellement martiales, hein, normalement efficientes, efficaces, avec les mouvements du Tai Chi de Steve Yang. Merci à tous. Bonne pratique.